Salut tout le monde, c'est Ayer Seben, nous voici sur la découverte de Minit, un jeu Steam que j'ai donc récupéré durant le week-end de solde de Devolver Digital. Au final, je l'ai pas eu forcément à bon prix, puisque à l'origine il vaut 10€, enfin 9,99€, et il y a une remise de 10%. Voilà, ce qui fait que je l'ai eu à 9€, j'ai gagné 1€ quoi. Mais bon, c'est un jeu qui me tentait depuis un moment, j'étais vraiment très curieux de savoir ce que ça vaut. Et alors, pour ceux qui aiment pas du tout les jeux vraiment pixels, gros pixels, avec très peu de couleurs, vous pouvez passer votre chemin, parce que alors là, ça va vous péter les yeux. C'est un monochrome, vous allez voir que bon, niveau graphisme, au début, j'ai trouvé ça bizarre, quoi. Je me suis dit, putain, là, ils vont vraiment loin. Mais après, quand j'ai vu l'intérêt du jeu, ça a l'air d'être sympa. C'est pour ça que j'ai envie de faire cette découverte pour voir ce que ça vaut. Alors, c'est un jeu qui est sorti en avril 2018, sorti également sur PS4 et Xbox One. Et donc, ce sont 4 personnes qui ont fait ce jeu. Donc, je vais vous citer les pseudos, enfin, qui étaient indiqués sur Steam. Donc, JW, Kitty, Jukio et Dom. Voilà, ils sont 4 à avoir fait ce jeu. Et sans plus tarder, on y va. Donc, oui, ça a été édité par Devolver Digital. Donc, normalement, c'est de la qualité, quoi. Voilà. Donc, on arrive sur... Alors, on va faire un petit tour ici. Oui, alors ça, j'y touche pas. Végétarien, je vais mettre non. Français. Bon, tout est bon, apparemment. Nouvelle partie. Voilà, donc on joue ce petit... Je sais pas, on dirait une sorte de canard sur pattes. Enfin, c'est bizarre, quoi. Là, on est dans une baraque. Donc avec une cheminée, une table ici. Ça, je sais pas trop. Ah si, on dirait un chien, un lit. Et voilà, on se retrouve donc dehors. Donc c'est vrai que là, au début, ça fait croire qu'on joue dans un petit carré, mais non. C'est en plein écran. Par contre, c'est vraiment... Ça manque un peu de couleur, ça c'est clair. Et on peut aller où on veut. Donc on a 2 points de vie en haut à gauche. Et c'est tout. Donc pour l'instant, on explore. Attends, on peut peut-être faire un truc là avec les vêtements, non, que dalle. Enfin, j'ai vu un peu le début, donc je vais y aller direct. Là, on peut traverser un pont. Voir qu'ici, il y a quelqu'un. L'eau est chaude et claire ici. Voilà, on peut discuter avec les personnes, heureusement. Enfin, heureusement. C'est plutôt, je veux dire, c'est plutôt bien, ça a été traduit en français. Après, je sais pas s'il y a énormément de texte. Alors ça, c'est des ennemis, faut pas y toucher. Et faut récupérer donc cette épée. Et là, ça fait vraiment penser à Zelda, celui-là sur Game Boy. C'est pas Link's Awakening, si, c'est ça. C'est celui-là, oui. Je commence à tout confondre. Link's Awakening, où on récupérait donc l'épée sur la plage. Et là, c'est parti. On commence à... l'aventure, où en haut à gauche on a un chronomètre, 1 minute précisément, pour faire le maximum de choses. Après on crève. Donc c'est parti, je sais pas trop où faut aller. C'est pour ça que là on va se faire une bonne session pour voir jusqu'où je vais arriver. Alors, je suis de là, t'es pas de ma meute. Ah merde, ah bah il m'a tué. Tu as fait ton temps. Et du coup on revient au début. Ah, le chien, je l'ai réveillé. On revient au début et on a de nouveau 1 minute. Et voilà, va falloir essayer de faire le maximum de quêtes en 1 minute. Et pour ça, il faudra débloquer des objets qui vont permettre de progresser. Alors, je sais pas s'il y a des trucs... Je pense pas qu'il y ait des trucs planqués sous les feuilles. À l'aide. Ok. Ah, là, je vois qu'il y a... un endroit pour y aller. Nouvel objet, l'arrosoir. D'accord, donc là j'ai gagné un arrosoir. Je vais quand même garder mon épée. Ah ouais, mais je peux pas porter les deux. Ok. J'avais pas regardé plus, hein, vraiment. J'ai juste vu l'épée une fois la personne mourir. Et je me suis arrêté là, j'ai dit putain, oui, ça a l'air excellent quoi. Du coup, ah, l'arrosoir est revenu. Ok. Nickel, bon bah là je vais crever là au niveau du temps. Sauf que l'objet que j'ai récupéré, normalement, devrait être dehors. Voilà, j'ai un arrosoir. Ah, peut-être arroser le champ là. Non. Attends, il y a un petit truc là-haut, je pense que c'est un ver de terre. Non, j'ai fait grandir.
C'est une pousse quoi. Ah, peut-être que là faut avoir l'épée et couper ça. Attends, on va y aller. On va voir ce que ça fait et puis. Non. Il faudra peut-être une pelle ou quelque chose comme ça. Bon, on va aller visiter vite fait le nord. Putain, c'est un PNJ ça. Il est tout petit quoi. Ouais, alors là va falloir une lampe. Il fait sombre là-dessous, prudence. Je sais pas ce que c'est ça, on dirait un bloc. Putain merde, ah oui on a quasiment rien le temps de faire en fait. Ah va falloir connaître le chemin par cœur. Pour certaines quêtes j'imagine. Alors il y a le bouton rond également qui permet de se suicider. Si on n'a pas envie d'attendre les 60 secondes. J'ai étouffé là, oui j'avais pris l'arrosoir, il y a l'autre. Bon, on va continuer par la droite, par la gauche. Ah il y a un bonhomme. Tu as une de ces maudites épées, pense à l'usine le plus tôt possible. Non, passe à l'usine le plus tôt possible. Ok. Je peux voler l'usine. Bref, on va continuer. J'espère qu'il n'y a rien de planqué sous les feuilles parce que ça va être chiant sinon. Ah, attends, là on peut aller ici. Et là il y a un phare. Là il y a un vieux là. Bonjour, putain. Ah, ils ont fait exprès là, qu'ils parlent lentement. Pour vraiment... Ah putain mais ça va être mort, j'ai jamais... Je fais signe au bateau. Ah mais génial, avec le temps qui défile. Le trésor. Gare au... Oh, putain attends, il me parle. Gare au requin. Ah, je pense qu'il avait un texte assez important. Hein? Non. Attends, je vais y retourner, on va voir ce qu'il me dit. Il faudra que je retienne. Est-ce que je vais avoir assez de temps parce que j'ai un peu perdu là au début là. On va se dépêcher. Je peux pas rentrer dans le phare. Et vite vite vite. Bon je vais sans doute faire une petite vidéo d'une heure, c'est juste pour la découverte. Évidemment il y en a pas mal parmi d'entre vous qui ont déjà vu des vidéos de ce jeu j'imagine ou qui ont joué et qui ont fini. Je fais ça un peu en décalage comme d'hab. Hein. Vite, gare au requin, ok je m'en fous. Nage vers l'ouest, puis au rocher, marcher, cap au sud. J'espère qu'il avait que ça à dire. Ouest et sud, ok. Bon, allez on va faire autre chose. Tu vas couper par là, tiens. Normalement je devrais rejoindre un écran au-dessus. Ah oui, il y a l'autre qui m'a agressé. Tiens, attends, il y a un PNJ. Je préfère la terre, chacun ses goûts. Si seulement quelqu'un s'occupait de ces 5 crabes, c'était bien plus animé avant. Ah oui, d'accord. Ça manque de musique. Bonne musique rétro. Il faut trouver la bonne musique alors. Des primes. Casse-couille. Est-ce qu'il y en a une qui te plaît au moins? Merde. Ah. Ça c'est de la musique, ça file la pêche, non? J'ai eu un succès. Connoisseur. Bon, bah je suis mort. Au moins j'ai eu cette petite quête, même si ça m'a pas apporté grand chose. Alors attends, il y a l'autre qui me disait de tuer les crabes. S'en occuper maintenant. Hop. Là il y en avait deux. Le problème c'est que j'en trouve trois autres. Attends, on va aller voir l'écran du dessus. Ils sont peut-être au-dessus. Hein. Ils doivent pas être loin de là de toute façon. Ah voilà. Ah, peut-être, il y en a peut-être deux autres à droite, mais bon, il m'en a dit 5. Je vais pas plus loin, ça se pète. Ah oui, on peut péter les pots. Là, celui-là par contre. Bizarre. Bref, je vais aller le voir avant que. Nouvel objet café. Ah super. Tous les crabes, un café, cadeau de la maison, essaye de bouger une caisse. Une caisse. Ah, peut-être la caisse qu'on avait vue au début. Attends, vite, je vais profiter, tant pis, je vais voir. Puis, il se croit. Ah, ça se bouge. Vite!
Yes, j'ai chopé la... Ah, c'est la clé du phare, ok. Attends, juste avant de crever. Bon, voilà, ça a été utile. Mais il y a une autre caisse pas loin du début. Ouais, j'ai envie d'aller au phare plutôt. Attends, je perds du temps là à slalomer. Hein. C'est vrai que j'imagine qu'à la fin, mais ça doit demander un timing de ouf. Après, je sais pas si le jeu est long quoi, parce que vu comme ça, ça pourrait se torcher assez rapidement quoi, si on a qu'une minute à chaque fois. Ok. Et la lampe torche, bon bah super. On va pouvoir explorer le. La caverne là qu'on avait vu également au début. Bon là écoutez, hop, je vais faire rond. Ça va plus vite. Ah, donc je la garde sur moi, la lampe. C'est pas un objet qu'on trimballe. Voilà, ouais, il y avait une caisse, mais je vais d'abord faire ça alors. Ah voilà, on voit mieux. En plus il y avait des ennemis. Bon, je sais pas si je dois tous les buter, hein. On va dire que non. C'est par là, putain, ça s'affiche bien carré par carré. Ok, je me retrouve de l'autre côté là. Oh putain! Oh le bourrin! Ça se bute ça ou pas? Tu as gagné un nouveau cœur. Ah super! Ah puis ça m'a fait un succès. Voyons. Ça c'est bizarre, là. On dirait qu'il y a quelque chose en haut. Campement du désert, vite. Et ça c'est quoi? Célèbre fabricant de panneaux. Putain, ça va être dur là d'aller... Ou alors il va falloir trouver des raccourcis, hein. Ok. Bon, j'ai envie de voir la caisse en haut. Parce que j'ai l'impression que c'est la suite là. Attends, il y a un nid là. Il y a un nid en haut là, non? Il doit y avoir moyen de faire tomber ça, quoi. Je fais start. Attends, il y a objet. Ouais, ça met le compteur en pause. Épée, l'idéal pour bien. Ok, ça permet de voir ce que ça fait la clé du phare. Bon, bah, c'est bon. Attends, aucune porte de phare. Ouais. Il y a peut-être plusieurs phares. Bon, très bien. Il n'y a pas de map par contre. Putain, ça va être. Va falloir retenir. Je répare le pont si tu t'occupes de ces croix-nailles. Je peux pas shooter. Comment tu veux que je renvoie les flèches? Je peux pas là avec mon épée. Merde, j'ai appuyé sur rond. Bon, en tout cas, c'est pas là qu'il faut aller. Il me faut un arc ou autre chose. En tout cas, faut que je balance les projectiles pour aller les atteindre. Ou je saute au-dessus du pont. Merde, c'est par là. Du coup, on a pas trop de choix. Hein. Faut passer par ici. Attention. Ok. Il y a encore l'autre fou. Bon, je vais pas le buter, hein. Je pense qu'on va pas avoir plusieurs fois le cœur. Ouh, attends. Remarque, il y a un truc là. Il y a des gros rochers. Non, ça le fait pas péter, d'accord. Putain, la musique qui s'emballe. Ça a l'air excellent, quoi. Je sais pas si je fais le bon choix là. Il faudra peut-être quelque chose pour nager plus vite. Un PNJ là. J'ai cartographié le monde entier, le fantôme lanceur d'épée de l'Oasis est une légende. Je peux prendre ça? Une scie là, je sais pas. Fabuleux fabricant. Ah, il me faut une hache. À gauche, je peux pas, ouais, donc, ok, c'est pas ici qu'il faut aller. Du moins, pas tout de suite. J'espère qu'également, je vais trouver, je sais pas, les bottes de Pégase pour aller plus vite. Parce que, franchement, je me traîne là, quoi. Puis à chaque fois, faut que je me retape ça. Non, non, mais ça va s'améliorer au fur et à mesure. Mais c'est excellent, j'aime beaucoup quoi. C'est bien pensé quoi. Après, comme je vous dis, je sais pas si c'est long quoi. C'est le problème. Puis ça, c'est le genre de jeu, vaut mieux le faire presque d'une traite, enfin sans vraiment de pause. Sinon, si vous vous en rappelez plus ce que vous avez fait, c'est l'enfer. Tu emménages dans cette maison. Ah! Ah, d'accord, alors si je meurs, je reviens là. Ah, ça va peut-être marcher comme ça alors. Ah d'accord, il y a des checkpoints, très bien. Solderie des baskets. Putain, la musique. Sympa. Ok, donc là je peux plus passer. Il y a un secret là, non? Est-ce qu'on va avoir des bombes? Putain, c'est cool. Pourquoi c'est tout sombre comme ça?
On est dans le désert là ou quoi? Il y a un PNJ. De l'eau. Ouais, mais. Ah, mais si, avec l'arrosoir. Attends, je reviens. Je vais lui donner de l'eau. Allez, c'est parti. Ah, c'est pas la même musique là. Attention, scorpion. Tiens. Tu m'as sauvé la vie. Passe donc me voir chez le fabricant de panneaux. Ouais, mais il me faudrait nuage pour péter les. Ah non, ça attaque pas du tout. Pour péter les souches là, qui me bloquent. Putain, je crois que je suis en train de me paumer dans le désert. Mais c'est infini ou quoi là? Attends. C'est quoi ces conneries? Ah non. Salut. Ouais, mais je peux rien te faire là. Tant pis, je continue au sud. Putain, mais ça a l'air d'être immense quoi. Voir, je tourne en rond à un moment donné, c'est pas possible. C'est quoi ce désert? Vite. Eh non. Ok. Bah je vais essayer d'aller je vais essayer d'aller revoir. Ah, c'est le temple secret en bas, d'accord. C'était peut-être ça que je cherchais. On va voir la personne que j'ai sauvée là. Allez, à gauche. Merci de m'avoir sauvé, récupère l'objet à l'ouest d'ici, puis passe me voir sur mon bateau. Bon, allons-y. Là ici il y avait une souche hein, donc elle l'a enlevée. Qu'est-ce que c'est que ça là? C'est un escalier? Ah oui. Putain, il y a un gant. Gant de jardinage. Ah, je vais pouvoir déterrer peut-être la pousse au début. Là-bas, les usines. Quoi, c'est un PNJ qui me parle? Ah non, c'est les pancartes. Attends, il y a une lanterne. Merde. Ouais, je vois plus rien. Attends, si je fais ça. Évite les échardes lors de la coupe d'arbres. Ah, parce que je pouvais me blesser, mais de toute façon, j'ai pas de hache. T'avais peut-être autre chose encore. Ah, c'est un raccourci en fait. Ah si, ça y est, je peux couper les troncs. Ah merde, bon attends, je vais crever là. D'accord, j'ai fait un raccourci en tout cas. Voyons, quand même, avec les gants, est-ce que je peux arracher ça quoi? Ça m'intrigue ce truc là. Enfin, toujours pas quoi. Alors attends, je vais quand même réexplorer les environs s'il n'y avait pas des souches. Parce que j'ai pas trop fait gaffe à ça, tiens en haut. Ouais, ça me paraît trop grand quoi. Ok, à droite. Ah si. Ça aussi quoi ça. Ça se trouve, il y a des encres très secrètes, tiens. C'est quoi ça? Non d'accord, on les coupe en plusieurs fois. Ah oui d'accord. Le bûcheron quoi. Ah mais il y avait un nid là, je m'en souviens là. Je vais pouvoir le faire tomber et voir ce que... Peut-être récupérer des choses. Alors à gauche, ok. Il y a un trésor. Ah mais je peux tout couper quoi. Il y a une caisse. Je peux attirer non? Est-ce que ça marche si je fais ça? Que dalle. Donc c'est en arrivant de la droite. Putain mais il y a tout plein de choses. C'est énorme. C'est énorme tout ce qu'il y a quoi. Alors attends, je vais me faire le nid, je crois que c'était au-dessus. Là, il y a un truc en haut là, ça se voit quoi. Bois à bateau. D'accord. Ouais. Ça. Non, y a rien. Bon, je vais faire un petit tour. Là, y avait rien du tout. Le bois à bateau. Qu'est-ce que je peux faire de ça? Variété particulière de bois adapté à la construction de bateaux. Peut-être quelqu'un qui voudra ça. Donc là il n'y a rien. Ouais on est quand même on doit souvent. Ah tiens son bateau. Laisse moi le temps de réparer. Puis je t'emmène en croisière. Ah puis je lui ai donné le bateau en bois. Ah merde. Ah merde, on va pas partir de suite hein. Vite, il n'y avait rien là. Non. D'accord, alors je lui ai donné le bateau en bois là. Peut-être qu'il faut retourner la voir. Enfin, je sais pas, elle veut m'emmener où? Merde, je n'ai pas vu que. Je suis bloqué. Elle est encore là? Ah oui, tiens, bon, on va aller la voir. Embarque. Ah, je peux plus rien contrôler. Je vais où là? Non, non, putain.
Marine Earth, ok, j'ai chopé un succès. Hein. Button tentacule. Oui, alors par contre, tu m'emmènes où là parce que le temps défile. Ah, ça doit être une nouvelle baraque ça. J'adore cette île. Touriste. Ouais, c'est ça. Donc, je vais crever là. Ouais, par contre, je commence à m'éloigner un peu de tout quoi. Je commençais un désert là et. Attends, ça se trouve, il y a un truc au sommet. Ah, super. Une clé. Clé de la cave, ok. C'est con que ça. Attends, fais voir. Ouais, il y a un escalier. Ah, mais c'est la cave de la maison. Capacité 0, ouest. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi? C'est des stats? Des stats de ma partie ou. Oula! C'est que ces conneries? Bon, je suis à droite. Oh putain. Ça, c'est le genre de truc. Oh là là. Et je peux pas aller plus bas là. Le but, ça va être essayer d'aller en haut à droite. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Attends. Déjà, je vais me speeder. Je sais pas du tout si je suis sur le bon chemin. Aucune idée, hein. En même temps, on nous indique rien. Moi, je vais là où on peut, quoi. Non, alors ça, c'est non. Là non plus. Ah, voilà. Terminal, erreur. Terminal, ok. Ok, j'ai peut-être réparé quelque chose. Du coup, faut retourner. Alors, attends. Putain, je me rappelle plus. Non. Là. Ok. Ouais, j'aurais pu resetter, remarque. Bon, c'est pas grave. Alors. Capacité 33. Est, ok. Ouest, sud. Ok, donc il y aura plusieurs endroits à réparer. Donc à l'est, à droite, c'est bon. Il manque à gauche. Je sais pas comment y aller. Oh, c'est curieux. Non, ça doit être à un autre endroit. Attends. Là, le sud. Bon, que je puisse péter un mur. Non. J'en sais rien. Allez. On se barre de là. Il se trouve que je vais pas pouvoir faire grand chose. Alors, la caisse, est-ce que je peux m'en servir? Oui, je peux m'en servir comme pont. C'est quoi ça? Ah, c'est les jeux comme les jeux des lumières là. Il faut. Attends, c'est... par contre, ça marche comment? C'est pas les coins. Essayer de tous les soulever. Attends, ça peut être évident ça. C'est bon. Ah non, c'est pas bon. Attends, comme ça. Voilà, c'est bon. Terminal, ok. Donc ça c'est bon. J'ai eu un peu de mal mais d'habitude ce genre de jeu, enfin de petits jeux comme ça, c'est les lumières adjacentes qui s'allument. Là c'était des trucs qui pouvaient être éloignés. Alors attends, j'imagine que là la caisse faut la pousser pour faire ce pont. Et voilà, le sud. Ce sera le dernier. J'ai l'impression qu'il y a que ça d'ailleurs. Terminal et faut choper un ordre. Ça doit être ça alors. Ok, nickel. Donc là, je vais retourner là, comme ça à la cave. On a déjà vécu des minutes difficiles, mais jamais à ce point. Merde, je l'ai frappé. Capacité, ok. Donc il y a un truc là. Traveler. Je me suis téléporté quelque part, zone 42. Ah là, c'est des stats. Objet 8 sur 16, pièces. Ah, il y a des pièces à choper. Alors les cœurs, oui, j'ai buté le taureau. 19 minutes 30, vie 24. Ah, j'ai dû mourir 24 fois. C'est quoi ça? Je sais pas. C'est pas mal. Par contre, j'ai déjà découvert la moitié des objets, quoi. Putain, mais ça doit être court, quoi. Ok. Déménage dans cette maison. Ah, bah, je suis revenu au début.
Ok, bon bah on a fait ce petit bonus là en bas. Et je vais pouvoir y retourner pour voir les stats. Bon bah génial. Bon, on a fait tout ce qui était en haut à gauche? Je m'en rappelle plus. Merde. Je sais plus. Attends, comment on passe là? On peut marcher là sur le bord? Non. J'ai essayé là, mais je crois qu'on était bloqué à un moment donné, non? Quoique non. Je suis pas allé bien loin. Ah, les cons, ils sont là, quoi. Donc ça, je pouvais pas. Là, j'ai un truc en bas, là. J'ai une tentacule à exploser. Je vais faire le tour. Putain, il y a des ennemis, là. Attention. Putain, là, je vais crever. Qu'est-ce que tu me dis, toi, vite. Sans danger à la surface, je vais à l'hôtel. Bon. Je sais pas si je vais pouvoir faire grand chose quand même. Je vais essayer d'y retourner vite, sans buter les ennemis. Ok. Je pense pas qu'on puisse tirer les caisses. Laissez-moi tranquille. Attends, là je vais peut-être pouvoir sauvegarder. Non. Ta chambre est à l'étage, ramène-moi des clients et j'ouvrirai plus de chambres. Ok, c'est bon. J'emménage là. Alors c'est quoi ça? Ah, je retourne ici. Ah putain, d'accord, je fais des... Je fais des raccourcis en fait. J'ai pas compris ça, ok. Bon, du coup je vais crever. Ah ouais, tout est lié après, tu m'étonnes, ça peut aller vite après. Ça c'est d'autres chambres. Les chiottes, ok. Arrosoir. Non, ça fait rien. Ah, il y a un gars. Le salaire est nul, mais c'est un bon boulot pour se faire connaître. Bon, attends, je vais crever pour resetter. Putain, ça va vite, hein, le reset, ça c'est cool. Alors attends, sur le toit il y a une piscine. Ah mais je peux pas y aller. Ils ont coupé le pont de l'usine. Alors je peux pas. Ah oui d'accord. J'ai pas vu que c'était un fleuve. Non, il y a un escalier là. Ah. Alors on est dans des mines. Attends. Pas moyen là de. Qu'est-ce que c'est, il y a une foreuse là. Boulot, il y en a marre, je vais larguer les amarres. Notre patron est un voyou, je suis en grève. Hein? Je sais pas si ça sert à quelque chose. Je suis coincé là, il y a de l'eau, je peux pas y aller. Ça, je peux le péter ou pas? Non. Ah, il y a des bombes. Merde. Essayer d'y retourner. Hop. Faut pas perdre de temps, hein. Ça c'est clair. Alors c'était où? C'était là. D'accord, il va me falloir un arc ou quelque chose pour les activer à distance. Parce que là, c'est pas possible au cac. Attends, je vais voir ce que me dit l'autre là. Je pense que je peux pas faire plus à cet endroit. Je peux pousser les bombes? Non, je peux même pas. C'est quoi ça? Comment faire sauter ces bombes sans exploser avec? Je suis fichu. Ouais, c'est dommage. Alors attends, en bas il n'y avait pas... Non, je crois qu'il y avait une sortie. Ok. Donc on va pas aller ici pour l'instant. On va aller au nord. Il y a des caisses là. Alors attends. Oui, ça bouge là. Alors attends. Ah, je me suis fait griller. D'accord, je rentre à l'hôtel. Ah, c'est un des clients là. Que l'autre demandait de trouver. Il est à gauche.
Mon client préféré a perdu son portefeuille, ou alors il est radin. Ça déchire ici. Putain, c'est quoi ça, c'est... Ah ouais, non, c'est table à manger, ça. Je crois que c'était des vélos, là. Bon. Ah, attends. Il y a quelqu'un, là. L'usine à épée est juste à côté d'ici. Dépêche-toi, s'il te plaît. Pourquoi me dépêcher, pourquoi? Il s'est barré. Bon. Il y a autre chose en or, je crois pas. Hein. Juste deux caisses. Là, pour y aller... Je peux pas faire mieux, quoi. Je peux pas y aller. Il y a une espèce de barrage, peut-être qu'il faudra... je sais pas, ouvrir ou fermer, je sais. Je sais pas trop. Et il y a ça qui se tourne. Bref, je peux pas faire grand-chose, je crois, à cet endroit. Donc je vais crever. Je vais retourner. Attends, c'est où? C'est là. Hop, je reset. Je vais reprendre le raccourci, là, ici. Et on va retourner dans le désert, parce que forcément des trucs qu'il fallait faire ici. Allons-y. Hop, ah, tiens, il y a une note. Salut, encore merci. Passe me voir sur mon bateau près du phare. Oui, ben, il l'a vu. Ok, passons par là. Et je vais monter vite au nord pour activer la caravane, là. Merde, ça me laisse pas de toute façon. Hop. On va aller à droite, ouais. Soldier de basket, soldier des baskets. C'est quoi ce panneau? Station désert sans fin. Ah putain, là tu m'étonnes. Ah! Peut-être pour rusher un peu, ce serait bien. Bienvenue à la solderie des baskets. Je te fais la paire de chaussures Vélos à 7 pièces. J'ai combien là? J'ai 0. Faut que je trouve des pièces. Comment on trouve les pièces? Faut shooter un peu tout là. Je sais pas. Attends, il y a une trappe là. Ah cool. Donc c'est bon. Attends, j'aurais déjà trouvé tous les téléporteurs? Non, la musique. 8, 6, j'ai 0 pièces quoi. Ah, il y a un truc qui s'allume en bas. Comme s'il y avait. Comme s'il y avait accès quelque part à une pièce cachée. Ah, franchement, c'est pas mal. Mais j'ai peur que la durée de vie soit très courte quoi. Saleté de désert qui finit jamais. Le sable, j'ai passé l'âge. Putain. Complètement au pif quoi. Mais j'ai shooté quoi? Ah, j'ai shooté la benne, d'accord. Même pas vu que c'était une benne. Alors j'ai trouvé une pièce, mais le problème c'est qu'il faut en trouver 7. Je pense qu'il faut tout shooter quoi. Oh, ok. Ah voilà. Ah ça y est, on commence la collecte des pièces là. Complètement au pif. J'ai rien à faire là. Attends. Ouais, mais je suis crevé. Est-ce qu'il y a moyen d'aller tout en haut là? Ah merde, mais ça reste. Bon, bah c'est mort. On ne sait pas un petit secret là quand même. Putain, mais c'est-à-dire que putain, faut shooter partout alors? Pour essayer de trouver des chemins là comme ça? Ça va être un peu casse-couille ça. S'il n'y a pas d'indice. La musique est cool. Ah voyons. Je suis un peu au pif. Hein. Ruine, c'est quoi ça? Ça me bloque. Je vais longer les murs. Ça se trouve, faut tuer certains scorpions pour avoir des pièces. Aucune idée quoi. Ouais non mais là c'est sans fin là je pense. Pourtant j'imagine qu'il y a un super secret où il faut aller le plus vite possible pour choper un item de ouf quoi.
Attends, j'ai envie de revoir là quand même. Ce passage secret là. Ça m'intrigue. Si je vais là. Là, je suis là, je le pousse à gauche. Ouais, mais je peux pas pousser deux caisses imbriquées, hein, je pense pas. Si je fais ça là. Non, je peux pas. Donc c'est non. Cependant, est-ce que je peux. Oh, je vais me bloquer. Ouais, non. Là, je me suis bloqué là. Et merde, bon bah tant pis. Ah, je sais pas si on peut là. Temple secret. Temple secret. Je vais suivre la pancarte. Oh, tiens, c'est là? Attends, c'est quoi ça? Ah, un donjon. Ça y est, on est dans Zelda. Alors, des flammes, on s'en fout. Ça, je peux passer. On voit que dalle. C'est quoi ça? Une porte. La porte du boss. Bon, y'a rien. On s'en va, on va faire la salle de gauche. J'ai égaré mes 8 tentacules. Tu veux bien m'aider? Il m'en reste encore 7. Ah, c'est à lui alors les tentacules. Putain, mais il est super grand quoi. Donc, ok, y'a une quête avec lui, il faut shooter toutes les tentacules. Alors, faut vraiment se balader. Faudrait un bateau hein, parce que. Va être l'enfer. Oh putain, mais c'est quoi cet endroit là? Alors, on va faire ce petit labyrinthe là. J'y vais direct. On va foncer direct en bas. Une fois dans le temple. Merde. Ah mais d'accord, c'est des murs ça. Et vite quoi. Parce que là ça a l'air d'être assez immense. Ça se trouve là faut les chaussures. Moi je pense que les chaussures ça va permettre de vraiment d'aller plus vite. Je vois que ça. Comme intérêt. Ouais parce que là ça va être long. Bon, ça va peut-être suffire niveau temps, j'en sais rien. J'en sais rien, ça se trouve. Je vais me paumer encore. Bon, pour l'instant il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a pas... Il n'y a pas à se tromper. Ça a l'air grand, putain, je suis 15 secondes. Ah non, il me faut les chaussures là, je peux pas là. Ou alors il y a des murs cassables. Et ça me fait chier de tous les essayer là. Oh putain, non, mais c'est trop long. Non, c'est pas bon. Je peux pas. Ou alors faut que j'essaye les murs, mais. Je vais pas m'amuser à ça tout de suite. Il y avait un truc en bas, non? Où on a tout fait là. Naufragé désert, quelqu'un pour l'aider. On l'a aidé. Mais je crois qu'il n'y a plus rien à faire là. Faut juste que je trouve les pièces quoi. Alors, ça va être ça mon objectif, c'est de trouver les 7 pièces. Pour continuer. Ah oui, je suis retombé sur le fantôme. Laisse les arbres en paix. Ici, si tu veux pas. Ah, je vais me battre. Attends, viens là toi. Mais putain, approche-toi là! Putain, ce casse-couille. Vite! C'est bon, je l'ai eu. Explorer. Lanceur d'épée. Quand je laisse appuyer, je lâche. Oh, putain, c'est excellent. Mais ça coupe ça? Ça marche. Ouais. Ah, mais du coup, je peux me faire les petits sbires là avec leur arc. Peut-être. J'ai peut-être assez d'allonge. Attends, on va y aller direct. Ah, mais merde, il n'y a pas de. D'accord. Attends, je suis paumé. Y'a pas de téléporteur là? Attends, si, c'est là le téléporteur. Non, c'est pas là. Si, c'est là. Ok. Hop. Bah ici. Hein. Hop, je meurs. Je reviens. Et on va se faire les petits cons là. Si je me rappelle bien, c'est par ici. Ok, c'est bon. C'est bon pour lui. Et voilà. Youpi, merci et voilà. Très bien, on va pouvoir progresser. Une nouvelle baraque. Je te donne mon vieil appareil photo. Ça là ? Erreur, pas d'appareil photo. Je me suis fait arnaquer ou quoi là ? Attends, mais si, c'est là. Appareil photo.
Je l'ai pas vu. Pas très utile pour aventure, mais il prend des belles photos. Consulte mon ordinateur pour plus d'infos. Retrouve ta photo sur Minute Caméra. Putain, c'est un vrai lien ça? Ah, faudrait que j'essaye après l'enregistrement. Par contre, ça sert à quoi vraiment? Retrouve ta photo sur Minute Caméra. 5, 3, 2, 2. Attends, mais faut que j'y aille vraiment là pour voir? Je sais pas. Quoique là, je peux prendre ça. Tiens, ah, et cadre pour prendre une photo. Ouais, ou alors c'est juste pour... comment dire, c'est peut-être juste pour prendre des photos, c'est un mode photo du jeu, quoi. Ouais, je pense que le lien est spécifique à mon compte. Du coup, je pourrais voir les photos que je prends, quoi. Du coup, vous aussi. Merde, alors attends. Qu'est-ce qui me manque là? C'est les pièces maintenant qu'il faut que je trouve. Hein. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. C'est quoi si je prends une photo de la pousse là? Non, mais ça sert à rien. En vrai, ça sert à rien. Bon, j'ai essayé de trouver des pièces, je sais pas où. Le plus tôt possible. Enfin, passe. Attends. Ah non. Embarque. Alors, soit de là, t'es pas de la meute. Je crois que je peux le pousser, lui, avec la caisse. Non, parce que ce qui serait bien, c'est de pouvoir. Ouais, de le pousser. Merde, putain, je me suis encore gouré de boutons. Le pousser pour le mettre dans l'eau. Parce qu'apparemment, il est. C'est un poisson là qui a échoué. Mais je peux pas. Il y a un truc sur le toit aussi là. Il n'y a plus de ces crabes, ça manque de musique. Bon, ça c'est bon. Là t'es pas de ma meute. Je pourrais le buter lui, non? D'accord. Rien de plus. Je vais voir vite fait en haut. Attends, il y a peut-être des pièces là-dedans là. Ah mais je peux pas aller à gauche si. Vite. Je sais pas, j'ai pas trop shooté tout ça là. Non, il y a que dalle. Ah, je commence à être je vais pas dire bloqué mais on va pas être loin parce que l'appareil photo, je vois pas l'intérêt. J'ai passé 100 fois ici. On va plutôt aller en haut. Je sais pas, il y a peut-être des. C'est ça le truc, c'est qu'il y a peut-être des murs cachés. Oh merde, putain, c'est revenu ça. D'accord, faut bien être au bord. Il y aurait autre chose ici. À gauche. Ah oui, d'accord, non, c'est pour rejoindre cet endroit. Je sais pas, là, ça se trouve, il y a des trucs planqués là. Une entrée secrète par en haut, non. Je colle, mais il y a rien. Ah putain, c'est fracassé là. Enfin, fissuré. Non. Ouais, c'est ça, en fait ça sert à rien. Bon bah du coup je sais pas. À faire que je trouve des pièces quoi. Je sais pas trop où je vais en trouver comme ça, un peu au pif. C'est une basket. C'est le caddie là. Et si je le frappe. C'est quoi ça? Non. Une poubelle, je sais pas si je l'ai faite. Y'a rien dedans.
Ou une carte, je sais pas ce que c'est. Je vais t'enregistrer là. Peut-être là. Ouais, je sais pas. Il y a un gros rocher là-haut. C'est comme là, là. Je sais pas pourquoi c'est comme ça ici. Bah non, il y avait rien. Il y a le taureau de ouf là, mais attends. Je me demande comme s'il peut pas péter ça là. Non, ça fait rien. Si je leur bute, ça fait quoi? Rien. Là aussi, je sais pas, il y a des petites marques au sol comme si ça cachait un secret quoi. Attends, on va aller voir tout en bas à droite. Peut-être un truc caché là. Non, que dalle, hein. C'est juste un labyrinthe. À gauche, on a fait temple secret. Putain, il me reste juste à. T'as fait voir le naufragé là, y'a plus personne. Ouais, c'est ça. Ah. Attends, des trucs là. Une tentacule en tout cas. D'ailleurs, je vais pouvoir lancer mon épée. Il y a peut-être une entrée secrète là, je sais pas. Non. Bon. En tout cas, j'ai trouvé une autre tentacule. Super. Mais après, c'est pas. Là, c'est infini aussi. Je pense pas qu'il y ait grand chose au-delà, quoi. Ouais, non, il y a rien. Bon, je vais tenter une fois le temple en essayant de frapper les murs. Attends, les flammes, je sais pas si. Ah, mais les flammes, putain, attends. Tout de suite essayer ça, quoi. Peut-être ça le truc. Bon, j'ai plus épée par contre, mais. Ah, très bien. Ah bah attends, on va tout faire comme ça alors. Dommage qu'on puisse pas arroser vers le bas. Un coffre. Bah ouvre. Est-ce que. Merde, je suis gouré de boutons. Attends, ça se trouve maintenant les flammes sont éteintes et je vais pouvoir l'ouvrir. C'est peut-être avec l'épée que j'ouvrais les coffres. Et merde. Alors pourquoi j'arrivais pas à ouvrir le coffre? Est-ce que je dois le ramasser et me barrer? Je sais pas. On va voir cela. Je vais pas perdre trop de temps. Ok. Non mais je peux rien faire là. Quoi ce coffre de merde? Faut une clé ou... Ah ça y est. Putain mais... Fallait l'ouvrir en étant dans le coin? J'ai pas compris. Bon bref, j'ai trouvé une autre pièce. Ça veut bien que je trouve une pièce de 5 direct quoi. Parce que là je sais pas trop... ce que je vais pouvoir faire. Merde, attends c'est là. Ah oui, il y a quelqu'un. Ne perds pas ton temps, passe à l'usine. Mais oui, oui. C'était un truc chelou là, il y avait rien. Il y avait juste ça quoi. Ah, peut-être qu'en chargeant. Non. Ça se trouve là, il y a un mur qu'on peut détruire. Non.
Ouais, là je sais pas. Je vois pas trop pour cet endroit. Ici c'était quoi déjà? Ah oui, c'était lui. Ok, alors soit faut trouver toutes les tentacules. Soit faut trouver toutes les pièces. Soit faut réussir ce labyrinthe en bas. Parce que là, je sais pas trop quoi faire là. Fabuleux. Pour l'instant, y a rien. Il y a quelque chose là-dedans. Par les pancartes. Je sais pas, je vais tout défoncer, on verra bien. Peut-être une pièce derrière une pancarte, j'en sais rien. J'ai tout pété là, il y a rien. Donc non. Peut-être d'autres flammes, pas des trucs dans l'eau sinon. Merde, bon, c'est pas grave. Attends, je vais retenter quand même le. Là, je commence à être paumé là. Ouais, cette petite butte là qui est intrigant. Parce qu'il y avait ici, mais alors. Je me vois pas faire ça tout le temps, quoi. Ça va être chiant. Peut-être aux endroits où c'est craquelé, mais. Ouais non, ça va être casse-couille, c'est pas possible. Vous imaginez quoi, si vraiment faut faire ça, c'est pas une super idée quoi. Putain, là, ça serait un bon raccourci là, si c'était là. Non. C'est pas ça. Ah, fait chier. Alors attends, je vais essayer de me TP. Je vais peut-être retourner sur l'île tout au sud. Attends, mais je l'ai fait ça ou pas là, les caddies à droite? Attends, lui il parle pas, c'est bizarre. Pas parler. Ça oui, non, on connaît. Y'a pas quelqu'un là, quelque chose qui. 3 sur 19. Putain, mais 19 pièces quoi, je devrais trouver quand même. Zone 72, c'est le nombre de salles que j'ai découvertes ou. Merde, attends vite, voilà. Attends, ça je peux l'éteindre. La flamme de la cheminée, ça ferait quoi ça? Ok, je peux y aller du coup. Putain, je me suis couru de bouton. J'appuie sur rond comme si je voulais me débarrasser de l'objet, mais non. C'est le suicide. Il y a toujours de la cheminée là. De la fumée de la cheminée. Ah, une pièce. D'accord, il y en avait une dès le début quoi. Bon bah ça progresse hein, on a plus que 3 à trouver. Alors ici je fais pas trop. Non, ce que je voulais surtout c'était me TP ici. Voilà, puis explorer cet endroit. C'est quoi ça? Une guêpe? C'est une guêpe ça? Ce pixel là? Saleté, dégage. Alors voyons. Fait le palmier, c'est là où il y avait la clé pour aller à la cave. Oh, je pense qu'il n'y a rien. Attends, ça c'est bizarre. Parce que le bateau, je pouvais pas le diriger hein, quand. Ah, je suis obligé. Je pouvais pas le diriger quand j'étais en bateau avec l'autre. C'est elle qui m'amenait à cet endroit.
Ce qui est dommage, quoi, parce que justement, il y a des endroits où il y a des tentacules. Je peux pas. Je peux rien faire. Attends, il y a un truc là. Non, je croyais. Bon, il y a rien ici. Bah, ici non plus, quoi. Non, j'avais essayé de shooter un peu tout. Attends, mais je peux shooter là en étant là. Baleine. Non, je peux pas shooter. Ok, c'est juste du décor. J'étais allé tout en bas là, je m'en rappelle plus. Ouais, ici là. Ah, mais je peux pas y aller parce que y a de la flotte. Bon, quand je pourrais nager ou je ne sais quoi, il faudra que j'y pense à cet endroit. Ça va être difficile. Et là, c'était pour allumer ça. Bon bah rien de spé. Putain merde. Je commence à bloquer sur cette fin de vidéo là. C'est marrant. Ah. D'accord, ça peut se shooter mais je sais pas du tout ce que c'est quoi. Enfin tout peut se shooter quoi mais il se passe rien. Bah merde. Je sais pas où aller. C'était quoi là déjà? D'accord, c'est là. Alors ça c'est quoi? Bon, on va peut-être explorer un peu plus cet endroit là. Alors, on n'a pas trop fait cet endroit effectivement. Donc c'est ce qu'on va faire. Ça se trouve il y a des trucs là. Reviens. Par exemple, ouais, enfin, je sais même pas une caisse, ça me permettrait même pas d'aller là, quoi. Je connais pas là. Ah, rien. J'étais jamais allé là. Je peux pas le faire en diagonale. Bon, d'accord, donc il y a une nouvelle zone à explorer là. Ok, on se débloque. D'accord. Alors, je sais pas si je vais garder l'os. Bon, j'ai essayé de pousser les tombes, hein, j'ai pas réussi. Attends, verrouillons. Non, je garde pas l'os. Bah du coup, ouais, on va aller visiter le nord d'ici. J'avais pas vu qu'il y avait une autre zone. On va passer là. Ah, il y a un truc. J'ai perdu ma carte de crédit. Tu peux m'aider à la retrouver. J'imagine que ça va être sous des feuilles. Il y a un cœur là. Ah ouais, ça se voyait quand même. Très bien, 4 coeurs. Ça se pousse toujours pas ça. Ça se trouve là aussi, là il y a un truc. Non. On revient au cimetière, je vais juste voir l'écran là. Ah. Pour le trouver, trouve-toi toi-même. Putain, c'est quoi cette maison hantée là? C'est pas optimisé mon chemin. Ah, foutez-moi la paix. Alors là je peux choper un os. Attends, on va voir à droite. Puis en bas. Ok, je suis au-dessus de ça. Il doit y avoir quelque chose. Ah si, il y a un truc là. Dans l'arbre. Ah bon, on va tout péter. Parce que ouais, ok, il va se téléporter dans chaque arbre. Caché à l'hôtel. Ah bah c'était le troisième client alors. C'est vrai qu'on peut utiliser une pelle là. Merde, ça va être encore trop tard.
Ça va vite hein, quand même. Propriété ne définit pas l'être. Quoi? Pourquoi c'était à sortir alors que je suis descendu? Allez, il est à gauche. Gérard m'a offert la suite avec salle de bain. Après, ça m'apporte quoi? Mon client préféré a perdu. Oh, mais son portefeuille, je sais pas où il est. Bon, attends, hop, je recharge. On va essayer de se faire cette maison hantée là-haut. Limite, je pourrais prendre l'os. On est tous des fantômes, Marie. En fait, ouais, je fais l'étage à l'infini, mais à chaque fois, j'ai un message différent, quoi. L'épée ne saurait être que matériel. D'accord, là, limite. De me dire qu'il faudrait prendre ça là. L'épée ne serait que matériel. Ah, j'ai pété la télé là. Attends, c'est mieux alors. Tant ces temps, tous ces fantômes, l'énorme éternité, propriété, pour nous trouver trop soi toi-même. Il est de réalité que subjective. Putain, merde, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, finalement, fallait peut-être pas prendre l'os. Ah, peut-être une entrée secrète sur le côté, derrière. Ouais, trouve-toi toi-même. Je peux toujours péter la télé, même avec l'épée. Ceux qui sagesse recherchent, la routine se fond. La vie prisonnière du temps, tu es au bon étage. Ah, donc faut sortir. Attends, il y a quelqu'un. C'est moi, c'est Marie, si tu restes au bon étage, on te rentrera à coup d'indice. Ouais, d'accord, mais... C'est bon ou pas? Putain, c'est quoi cette énigme? Il y a des palmes en haut là. C'est ce qui va me permettre de traverser la flotte. Ah bah tiens. Ce charnier de démon du bois survit. Pour avoir la bourse et la vie. Paradis des chaussures, jamais en mur. Voilà. Il reste sur cette tombe. Vérité est ailleurs, c'est-à-dire que si je fais ça, je vois plus personne. Donc faut être au bon étage. Majeur ne connaît pas de repos. Tous des fantômes. Donc, si je fais ça là, il n'y a rien. Haut. Merde. Alors du coup, faut remettre au bon étage. Et après, on verra des fantômes un peu partout. Enfin, je pense qu'il y a qu'à cet endroit que j'en ai vu. Ah non, ils sont là. Putain, j'en sais rien. Tu restes au bon étage, tu rentreras à coup d'indice. En fait, je pense que ça c'est bon, hein. Je l'ai fait. Juste que je m'arrête. Voilà, je m'arrête là. Limite, je peux péter ça. Et je peux le lancer ça? Ah oui. L'épée là, oui, mais ça oui. Parce que je l'ai laissé, putain. Pfff. C'est chaud, hein. Allez, je fais 2-3 morts et je m'arrête là pour cette découverte. Je pense que vous avez eu un bon aperçu. Et là, c'est vrai que je suis un peu paumé là. Non, mais là, c'est là où il y avait le troisième client.
coup, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va apparaître? Que dalle. Il dit quoi lui? Déjà. Tu as ma carte à crédit, tu peux m'aider à la retrouver, mais je sais pas moi. Est-ce que je peux trouver ça quoi? S'il faut que je shoote les rochers, merde. Ça va être relou. Ouais. Après, je sais pas si je suis sur la bonne bonne direction. Si je prends une photo, attends, je vais essayer vite fait un truc. Si je prends une photo des fantômes, il se passe quoi? Ah mais je peux pas passer là. Merde. Bon, attends, tant pis. Ou alors faut que je coupe ça, que je revienne, que je prenne l'appareil. Ça me fait chier. Je vois bien, attends, peut-être que je peux shooter ça. Attends, je continue à shooter ces trucs là, ça se trouve j'ai trouvé la carte. Ah, attends. Ah mais il y a un fantôme en haut à droite là. Attends, hop, je crève. J'y retourne. Hop. Peut-être me dire un bon truc lui. Quand tu es prisonnier des sables, ta chute avec patience amortie. Le sable mouvant là qu'il y avait à gauche. Attends. Non, c'était pas là. Ah non, c'était à la caravane. J'essaie de passer en force. Hop. Il y a une tentacule, mais bon. Ouais, je peux pas l'atteindre. À gauche, il y a un trésor. Attends, je vais juste casser un peu tout ça. Là, ça se trouve, il y a une pièce là, derrière ce bordel. Non, il y a que dalle. Il y a le portefeuille là quelque part. Non, alors c'était quoi mon que je voulais faire? Oui, la caravane. Il y avait pas un truc déjà ici là qui me bloquait? Attends, oh, il y a des escaliers. Ah si, il y a les bombes. Ah mais les bombes! Je peux faire péter l'épée à distance. Enfin, la bombe à distance, je veux dire. Ça sert à rien. Ah si, c'est bon. Courant dans des tuyaux. Ok, je suis passé de l'autre côté. Continue à polluer, il faut... Ok, alors attends, il y a ça là. C'est bon. Vu le bruit, ça a l'air. Ah ouais, j'ai fait la bonne manip. Attends, on avance. Ah, mort devant. Ah, c'est prenant. Bon, on va juste voir ce truc là. Ce que c'est. C'est vrai que je mets du temps. C'est quoi qui me dit le bureau des plaintes? Faites la queue avec les autres, mais y a personne. Désolé, réservé à la presse. Ah si. Ça fait 2 heures que je suis là. Faut faire un truc pour qu'il y ait plus de monde. Attends, je passe à travers les bibliothèques là. Attends, si je le frappe lui. Non, lui. Bon. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette découverte. Je le continuerai dans mon coin, franchement j'aime beaucoup. Mais j'espère que c'est un peu long quand même, parce que là j'ai peur d'avoir fait déjà pas mal de l'aventure. Mais l'idée est bonne, hein. Franchement c'est pas mal trouvé. Je suis où? C'est pas mal trouvé et ensuite, bah voilà quoi.
Enfin, je suis à 39% de découvert. C'est. Ouais, j'ai fait un peu plus. Je sais pas si c'est de toutes les zones. Mais j'ai quasi tous les objets. Bah, j'ai des pièces, j'en ai pas trop. Ouais, je pense que j'ai bien avancé. Ouais, un peu plus d'une heure de jeu. Et j'ai débloqué tous les téléporteurs. À moins qu'il y en ait d'autres. Qu'il y ait une autre salle encore cachée. Enfin, à voir quoi. Bref, j'espère que ça vous a plu. Ça vous a peut-être même donné envie d'essayer ce jeu. Je vous le conseille, en tout cas si vous aimez bien le genre énigme, mais si vous aimez bien également le rétro, parce que là, on peut pas faire pire niveau graphisme. Je vous laisse là et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut!